Salut à tous, c'est Jim Carpis pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve sur un petit plan d'eau communal qui fait un hectare, très sauvage. Je vous ai déjà emmené plusieurs fois sur cet étang, donc au printemps et aussi cet été en enduro. Donc là on est mi-octobre, on est en automne, logiquement la meilleure saison pour pêcher la carpe. Donc on va essayer de faire quelques carpes. J'ai eu la chance de toucher un poisson, donc vous allez le découvrir dans la vidéo. Je vais vous présenter mes montages, ma stratégie d'amorçage et puis le plan d'eau. Donc je voulais vous remercier pour les 660 abonnés. Vous êtes pas mal à me suivre, donc ça fait plaisir. J'ai vu que ma dernière vidéo vous avait assez plu, donc en domaine privé. J'y retourne l'été prochain, ou peut-être même avant, suivant comment ça va se passer. Et puis voilà, je vous laisse sur cette petite vidéo en session automnale. Bon bah voilà, magnifique amour blanc, donc on ne l'a pas pesé. Ça fait une petite dizaine de kilos, même pas. Donc voilà, prise sur une bouillette à The Grave. Je vous montrerai le montage juste après. Donc voilà, super poisson. Bon bah voilà, je vais vous présenter le montage qui m'a permis de faire l'amour blanc. Donc une gaine toute simple, un clip plomb tout simple avec un plomb de 60 grammes. Je vais avoir une tétine Mach 2, un petit montage combi-link donc avec du shadow en 40 centièmes, un petit sinker Stasca et une tresse dénudée, donc c'est la semi-stiffen trap comme à mon habitude, donc dégainée pour une très bonne articulation. Avec un petit crank. Et pour finir, je vais mettre une petite The Grave, donc en 20 mm, avec un maïs flottant jaune de chez Corda. Voilà. Bon bah voilà, je vais vous présenter ma stratégie d'amorçage. Donc pour ma première canne, je vais avoir un petit montage tout simple avec une radicale. Donc, je sais plus le nom des bouillettes, je sais qu'ils sont Goo Tiger Nuts avec une pop-up The Cell. Donc, ça, c'est sur ma canne de gauche. Sur ma canne de droite, comme j'ai pu vous le montrer, elle est échée d'une The Grave. Donc, j'amorce de la The Grave aussi. Donc 5 à 10 minutes avant de lancer mon montage, je le trempe dans le Deep The Grave avec un petit stick. Donc c'est un petit stick avec des bouillettes The Grave broyées et des pelés carnés. Donc avec cette forme-ci que je dip aussi 5 à 10 minutes dans le liquide The Grave. Donc voilà, ma stratégie d'amorçage pour une session automnale comme aujourd'hui, où les températures sont pas très chaudes, où on essaye de faire venir le poisson sur notre cou avec des dips comme celui-ci, ou aussi comme sur mon autre canne où je rajoute beaucoup de goût sur mon éche, donc c'est du goût coconut, donc ça va très bien avec cette pop-up et cette bouillette dense comme ça. Donc voilà.